Alors voilà, je tiens à préciser que la fameuse décharge dont je parlais hier d'ordures a complètement disparu ce matin. Donc en fait, c'était juste un dépôt d'ordures en attendant le camion de poubelle. Ils ont réussi à faire en sorte que ce palais royal soit très paisible. Voilà, nous roulons actuellement en plein milieu, au milieu de deux files de voitures. Ceci est un message pour Anne Hidalgo. Merci de venir à Phnom Penh, de créer des rues piétonnes, des passages piétons, des feux pour piétons, des quelque chose, je n'arrive pas à traverser les routes. J'aimerais bien vous le filmer, mais honnêtement, j'ai déjà l'impression de risquer ma vie à chaque fois que je dois traverser la moindre route. Et si je filme, je crois que je suis morte en fait. Un tuk-tuk en direction de l'île de Koh Dak. Bon, il faut que je vous avoue un truc, c'est que je suis aussi dans ce tuk-tuk parce que j'ai acheté une SIM card pour avoir internet tout le temps au Cambodge, et il s'avère que quand j'ai reçu la SIM card, eh bien, je l'ai mise dans le trou de la carte SD. Donc du coup, il a fallu cet après-midi que je retourne voir le monsieur de la carte, de la boutique Cellcard pour leur dire bon, est-ce que je prends racheter une nouvelle. Et finalement, les gentils vendeurs ont réussi à extraire la SIM card de la carte SD et j'ai pu la récupérer. Donc voilà, j'ai internet et je suis partie en excursion tuk-tuk plutôt que vélo parce qu'avec cette petite mésaventure, j'avais plus le temps de prendre un vélo. Voilà, à tout à l'heure. Que vous voyez là, en fait, ce sont des hôtels pour Cambodgiens et non pas pour touristes. Chaque Cambodgien peut louer pour $1 une des petites maisons et voilà, ils passent la nuit là et ça leur fait des vacances tout près de Phnom Penh.